Alors, selon moi, j'ai fait des tests et c'est un micro pour chanter. Clairement, c'est le micro idéal pour chanter parce que pour l'ASMR, c'est bien trop bas. Alors, tout simplement, on peut entendre un petit peu ma voix. Voilà, comme ça. C'est plutôt agréable. Je trouve que le son est plutôt bon en soi. Il n'est pas trop aigu, il n'est pas trop grave. Il y a quelques modifications à apporter forcément sur ce micro. Mais pour le prix qu'il vaut, je pense qu'il fait bien le taf. Alors, selon moi, c'est pas du tout un micro ASMR. Parce que si je me mets à balouer et je parle, du coup tu m'entends très très mal. Tiens, c'est pas fou. Donc je pense que pour mes lives la nuit je suis niqué. Alors, selon moi, qu'est-ce qu'il y aurait à apporter de plus sur ce petit micro à 39€? Alors, la petite pougnette et tout, c'est super parce que c'est idéalement un micro pour chanter. Tout à l'heure j'ai un petit peu chanté dans le micro. Il a pas saturé. Donc c'est vraiment un très bon micro pour le chant, je pense. Du coup, bon, forcément, il peut pas faire le chant et la ASMR, c'est compliqué. Et du coup, je trouve ça très intéressant. Alors, il est vendu avec un petit trépied. Très mignon, ok, pourquoi pas. Trépied plutôt sympa. Mais moi, ce que j'avais testé, c'est le prendre à la main. Ah oui, petite particularité aussi que je trouve pas ouf. Il n'y a pas de bouton rouge ou autre qui s'allume pour te dire qu'il fonctionne. Voilà, ça c'est le petit bémol. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Je veux voir toutes les mains levées. Allez, on est parti. Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up. Que l'amour ne s'arrête pas. Prends le fury. Faire du bruit. Suspense. De prendre le micro à la main comme ça et parler. Je sais pas du tout ce que ça va faire dans ce test. C'est un test. Et puis en même temps, j'ai eu des gros retours comme quoi ils avaient déjà fait un test micro mais ils connaissaient pas un peu la qualité. Mais écoutez, c'est. Je crois que c'est le meilleur test pour la ASMR en tout cas. Pour voir si le micro vous plaît. À l'occurrence, j'adore le concept de le tenir dans la main. Bonsoir à tous, ça fait très présentateur télé, j'adore. Le truc c'est que à voir si le bruit dans la main fait du bruit. Ça. A priori ça fait du bruit. Tac, alors je remets la petite. Alors voilà, donc idéal pour parler. Alors si je parle un petit peu près, je pense que la qualité n'est pas trop mauvaise. Même si l'idéal c'est de parler fort, forcément pour un micro de pareil. Mais lorsque je vais interviewer des gens ou autre, ça peut être sympa de les interviewer avec ce petit micro. Et sinon, toi tu fais bichit. Pourquoi? Vous êtes gardé nappé. Ah oui, je comprends. Pour 40€, franchement, pour moi, il fait le taf. Il fait clairement le taf. Il répond pas à tous les besoins que je recherche. D'accord. Parce que c'est vrai que certains micros ont besoin de distance. T'as besoin de distance et faire des ASMR comme ça. Le Blue Yeti sait très bien le faire. Mais lui, pof pof. Encore une fois, c'est pas sa fonctionnalité première. De base, lui, il est pas fait pour recevoir du chuchotement. Il est fait pour recevoir des chants, des gueules, des cris. Ah, il est fait pour être maltraité. Et par contre, super bien comblé, déjà le tenir dans la main. Tenir un Blue Yeti dans la main, c'est pas les plus simples. Lui, franchement, je kiffe. Ouais, non, c'est pas un placement produit là, du tout, vous inquiétez pas. Ce que j'aime bien aussi dans ce micro, c'est ouais, le côté rendez-vous. Genre, oui, bonjour. Est-ce que vous aimez le coronavirus? Après, c'est un petit peu dommage que. Qu'il faut qu'il soit branché à un PC pour qu'il fonctionne. Parce que dans la rue, je me vois mal avec mon PC. Le PC, le micro. Bien soit, si je dois faire des interviews un peu plus propres, ça peut être vraiment très très intéressant d'observer un petit peu ce micro de plus près. En tout cas, moi ça me plaît bien. Voilà, je trouve ça vraiment bien. Alors le truc, la pougnette, ça m'énerve un peu parce qu'en fait, si tu veux, comme moi je chante pas, je n'ai aucune utilité, donc c'est vraiment un peu chiant en fait. C'est un petit peu donc le micro. Je vais essayer de mettre de face pour voir. Ah, peut-être que la qualité sera un petit peu meilleure, je ne sais pas. Je vais vraiment des tests. Alors franchement, on va tester le tapping dans un premier temps, voir un petit peu.
ça fonctionne. Nous allons faire une petite vidéo ASMR. C'est un test à voix basse. Un test à voix basse pour détendre, pour relaxer, pour évidemment se détendre davantage. Voilà. Dis-moi ce que t'en penses, évidemment. N'hésite pas à noter de 1 à 10 un petit peu. Qu'est-ce que t'en penses? Qui reviennent sur ma chaîne, dormir chez un abonné.
500 euros, voire plus, même beaucoup beaucoup plus parfois. Là, il fait partie des petits micros. Et je pense vraiment qu'il a une très très bonne utilité à faire. Un style, il a un petit peu son propre style, j'aimerais dire. Donc moi je l'aime bien. Je l'aime bien, franchement, il me plaît bien.